Bonjour, c'est la grenouille au micro. Celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps. En direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Flatteur et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. Vous le reconnaîtrez à son toupet. Il est plus laid qu'un perroquet, mais bien moins triste qu'un corbeau. Le drôle d'oiseau. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Chaque mois, c'est la reine Gilly Gilly elle-même qui passe le plumeau dans son château. Vive le ménage ! Le cocasse, oiseau farceur, nom d'une plume, mais voilà un titre de livre qui chatouille mon imagination. Quel beau plumage ! Le cri-cocasse vit au cœur de la forêt. Ses plumes chatouillent 10 fois plus fort. Oh, ça doit être divin! S'il parvient à attraper un cri-cocasse, ma vie ne sera plus qu'un long sourire. Mais comment le piéger? Il mange les vers qui grouillent dans les fromages pourris. Bleh. Enfin quelqu'un qui s'intéresse à mes délicieux camemberts puants. Roi Cracra, j'aimerais follement les voir de près, et particulièrement les plus pourris. Nom d'une poubelle garde, j'ai affaire à une spécialiste. Venez donc goûter mes meilleurs crus. Sentez-moi ça. À visionner, ils ont au moins 100 ans. Croquez à belles dents. Il faut que le fumet envahisse votre palais et qu'il embaume vos narines. Exquis, n'est-ce pas? Vous partez déjà? Enfin, le voilà. D'après le livre, c'est dans cet arbre que nique le... Je te tiens enfin. Pauvre reine Gilly Gilly, elle voulait une plume de cet oiseau et c'est elle à présent qui doit tenter de récupérer la sienne. La voilà. Je préfère les fleurs. Qu'avez-vous fait, malheureux? Cette plume était unique. Vous en trouverez d'autres. Espèce d'idiot. Vous ne vous rendez pas compte? Il faudrait plein de plumes ordinaires. Plein de plumes. Le nombre remplace parfois la qualité. Mais entre nous, hop là, Gilly par-ci, Gilly par-là, la pauvre reine ne pense qu'à ça. Qui donc osera la piéger avec du vrai poil à gratter?
Longue vie au roi et aux reines. Ils ont comme nous des joies, de peine. Mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain.